venez d'assister au world record le plus what the fuck du monde. On a réussi à tuer le super boss de MW3 Zombie en 7 secondes. Alors même si je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé, je suis sûr que ce record du monde ne sera jamais battu. Parce qu'on a tellement eu de la chance que c'est impossible de nous battre. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait tout simplement tuer le boss, on s'était full stuff et tout pour faire un combat épique, et là après 7 secondes, le boss explose complètement devant nous. Alors ce qu'on pense, c'est qu'il s'est mangé un éclair, parce que de base, ce boss doit spawn à l'extérieur de la tempête. Et ensuite la tempête principale de la map doit se propager et nous on doit se battre contre lui dans la tempête. Mais là ce qui s'est passé, c'est qu'il était carrément dans la tempête principale, là où il y a des éclairs qui tombent toutes les 5 secondes. Donc ce qu'on pense, comme j'essaye de vous le montrer dans le gameplay, c'est qu'à un certain moment, on voit une éclair justement là où il spawn quelques temps après. Donc à tous les coups, il s'est mangé un éclair et ça l'a one-shot directement. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire le record du monde en tuant le super boss du zombie de MW3 en 7 secondes. En sachant que ce boss, c'est le plus puissant actuellement et celui qui a le plus de vie. On l'a carrément explosé en 7 secondes. C'est juste une dinguerie. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez surtout pas à dire votre théorie en commentaire. Moi, je voulais absolument vous partager ce clip qui était tout simplement incroyable. Et pour ceux qui veulent savoir comment accéder à ce boss, je vous mettrai une vidéo en description, en commentaire épinglé, d'un tuto qui vous explique exactement comment faire pour accéder à ce boss incroyable.